Bonjour VOD, on a raté. Voilà, on a raté. Malheureusement, on a eu un gibier trop tard. Donc on part pour autre chose. Voilà, vous avez eu votre réponse, mais sinon j'espère que vous allez trop bien. Ouais, c'est ça. Voilà, je me chauffe un petit peu. Ok. À plein. Bonne soirée. Merci. Elle avait perdu sa selle. Je lui ai dit, tu vas chercher ta selle. Eh ben, oh. Il est revenu avec. Oh, qu'est-ce qui... Mais c'est quand même bonne bête. Au-dessus de Flat Neck Station, il y a un village boulet où il y a un alligator blanc géant. Oh, chouette. Hein, je voulais le voir. J'ai aimé un lundi. Hop. C'est bon, moi j'ai. Ok. Oui. Si on se perd, c'est pas grave. Bah ouais, non. Ah, je pouvais récolter des pierres ici. D'accord. Mais pourquoi faire? Tu fais des collègues des cailloux? Bah oui, apparemment. Là, c'est à gauche. Enfin, non. Coupe par là, c'est mieux. Je me rends compte que c'est pas l'indication des... Ma première indication n'est pas la meilleure. Oui. C'est par là à gauche. Ah bah non. Ah, peut-être... tourne dans... Il y a 8 mètres. Non, mais sinon, je suis Monsieur Duke. Et si on est perdu, j'indique. C'est bien aussi. Bah, je vais suivre le... Le halo lune. Les grandes fumées. De la poussière qui dégage en allant si vite. Oui, c'est vrai. Bon, après, il fait de la lumière. C'est vrai. C'est un petit peu notre lumière dans la nuit. C'est un phare. Oh, ouais. C'est un phare. C'est le phare à ombre. Oh. C'est genre verrou là que je sache. Ça marche, je regarderai. Alors, c'est ça le problème, c'est que c'est complètement pas par là. Mais bon, c'est parce qu'il faut traverser. Ah. Donc là, c'est genre près de quoi? En fait, faut suivre le chemin de fer et c'est un petit peu vers la route qui va vers Valentine en gros d'ici. D'accord. Donc là, ce sera plutôt vers notre droite, là. Voilà. C'est à peu près par là. J'imagine qu'on va être obligé de faire des détours, mais en gros, c'est cette direction-là. D'accord. Mais on va s'arrêter à une station, du coup, au niveau du chemin de fer. Ah, mais c'est là où il y a les télégrammes. Est-ce qu'il y a des télégrammes à celui-là? Parce qu'il y en a plusieurs des stations, je sais pas s'il y a des télégrammes à chaque fois. Non. Ah, non, c'est, okay. C'est une d'après. En fait, on va travers. C'est là où. C'est après un endroit où le train traverse un pont. D'accord. C'est un peu plus loin après. Mais nous, je pense qu'on va passer par en bas parce que je crois qu'il y a que les rats ici, on traverse en même temps que le pont, donc c'est peut-être pas terrible. Putain, mais du coup, on était à Strawberry, on aurait pu prendre du bois. Enfin, je veux dire du bois. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il était à Strawberry avec Daphné. Oui, voilà. Oui. C'est très drôle. Dans un piège, comme un pas. Là, va falloir traverser, mais je pense que Monsieur Duke, il sait où. Non, c'est bien. J'ai toute une liste encore, je crois que j'ai vu les pires là. Ah bon? Mais les pires dans quel sens? Oui, là c'est à peu près, bah voilà, à peu près en face là-bas je pense. Ah bah non, bah c'est peut-être dans le coin. On est un peu loin. Je parle pas assez fort. Voilà. C'est ici? Vous pouvez poser ici, là, sur le brûlé, ouais. Oh, d'accord. Il y a pas mal un peu en hauteur. Du coup... viande veinée. Attendez, viande veinée ou quoi? Non, viande de porc. Bah, vous en avez. Ça s'appelle ici, déjà. Attendez, je me rappelle jamais. Non, attendez. Je peux vous dire en posant le piège.
Je me rappelle jamais si c'est viande de porc ou viande d'oiseau. Je vais regarder où on est. Oui, oui. Hop. Utiliser. Donc ça va remonter. Et pour utiliser. Je vois, je vois. Je vois dans mon gros miroir. Nous sommes à Limpani. Oui, oui, non, mais je sais. Ah, d'accord. Limpani. Avec un L, oui. Oui, donc. Qu'est-ce que j'entends ? Viande de bœuf cru. Viande de bœuf. De bœuf ? Oui. Viande de bœuf. Ouais, évidemment, vous allez pas en avoir. Évidemment. Ah oui, non, je sais pas du tout. J'ai rien sur moi. Si, j'ai une viande de gros gibier. Ce qui est du coup, ouais. C'est pas ça. La mouvance planète Terreur. Vous avez pas de viande de bœuf, Prosper ? Ah bah j'ai une viande de Prosper, oui, peut-être. Si c'est gibier, j'en ai. Viande de bœuf. Si viande de bœuf ? Non mais moi j'ai gibier. C'est pas gibier ? C'est... On a tous gibier. Il y en a pas. Putain de merde. Oh là là, c'est pas à côté en plus, hein, si je veux aller... Bon, attendez. Non mais c'est pas... Je vais essayer de faire l'aller-retour très vite avant 5h du matin. Restez là. J'essaie de vous ramener de la viande de bœuf. D'accord. D'accord. Vous voulez venir, Esther ? Ok, j'aime pas cet endroit, j'entends des bruits bizarres. Oui. Et moi ici ? Je vais sentir. Mais c'est le bois qui craque, vous inquiétez pas. Mais oui. Ouais, 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 à cause des fantômes qui marchent. Un serpent. Non, mais vrai. C'est vraiment incroyable quand même comment tu les repères. Attendez, il est où ? Il est là-bas. Je vais reprendre mon piège comme ça je pourrais. Ok, ouais, j'avais lu ton message, ça, mais j'ai réagi dans ma tête. Mais j'ai même pas vu Planète Terreur. Pourtant, j'en ai entendu parler. En fait, c'est con parce que ça demande toujours la viande qu'on a pas, quoi. Oui, voilà, ce serait peut-être bien de prévoir avant. Oui. Genre là, le prochain truc, on va courir et il faudra du bois, je le sens. Alors qu'on l'a croisé 3 fois. Alors qu'on l'a croisé. Ah bah mince alors, je te vois encore avec un... Avec une peau toute tendue. Ah, la peau est tendue. Exactement. Oui, t'as une peau tendue. T'es encore tendue ? Oui. C'est pas grave après, mais fais attention de blesser personne. Hop, tenue moins tendue. Tenue étendue. Tenue est moins tendue. Tu l'as quand même. Tendu. Oui. Ah, c'est pénible ce truc. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Je sais, attends, si. Monsieur Duke, il avait. Je le voyais plus avec sa peau tendue quand il est monté sur son tyrannosaure. Ah, j'ai trouvé un tyrannosaure. Oui, sur un tyrannosaure. Peut-être, hein. En plus, la planète Terreur, c'est 17. Oui, oui, ça, je sais, mais j'en ai entendu parler. Mais je sais qu'il est pas tout jeune, oui. Ah mais il faut carrément prendre un cheval sauvage. Chez Prosper. Hey, c'est pas très gentil ça. Il me l'a dit tout à l'heure, Je cours un peu là, mais bon. T'ennuies sinon.
Bonjour. C'est effrayant. C'est encore tendu là? Mmh. Eh ben non, c'est bon. Ah, cool. Parfait. Je vais reposer mon piège sur du verre, comme ça je repère. Oui. Tu sais quelle heure il est? À vue d'œil comme ça, il serait 2h10. Bon, ça va, on a encore un peu de temps. C'est vraiment hanté cet endroit. Ah, on se met bien. Oh, j'ai envie de pipi. Mais je peux pas y aller. S'il y a Radio plutôt qui débarque avec la paille et que je suis pas là, bah voilà, il pourra pas le mettre. Et peut-être qu'on aura pas à cause de moi. Et ça, je ne peux pas l'assumer. Pushing to the limit. Ah, faut pas être triste comme ça. Oh. Il va revenir. Et s'il nous avait abandonné? C'est possible. Ce serait quand même le pire endroit. c'est pas le meilleur truc. En plus, il y a tout qui grince et il y a des petits renards qui font cri. Oui, allez. C'est quoi cet endroit là? Mais j'ai rien vu. Oh ouais, j'avoue. J'ai pas pris de ticket à gratter. Ah, c'est spécial. Ah ouais, c'est vrai, en plus. Y'a vraiment rien qui va. Je me suis fait froid. Mais qu'est-ce que tu fais? On va vous faire un petit somme. Un petit somme? Oh bah oui. J'entendais pas. Oh. C'est eux. Livraison de Bœuf Express. Easy. Vous avez été rapide. 3h. On a encore le temps. Si. Posez-le. Hop là. Donnez-moi ça. Donnez-le à Mme Duval. Hop. Ah, c'est parti. Vous avez perdu votre dame? Non, elle est là-bas. Ça va, Esther? Oui, ça va. Ah oui, elle est là. Il y a des bruits bizarres, donc je me cache. Vous êtes déjà là-haut. C'est bon. Bah oui, je suis déjà là-haut. Tu t'en as vu? Ok. Moi, je vais mettre sur le porche. Vous êtes prêts à voir le plus gros alligator que vous avez vu de votre vie? Alors, il est ici, l'alligator. C'est fou. Je suis sûr que vous voulez rester là, du coup. Bah, c'est qu'il faut que je sois pas loin. Mais vous pouvez monter. Vous pouvez monter aux étages ici, hein, vous inquiétez pas. Vous oui, il n'y a pas de problème. Je te dépasse. Il va arriver d'où? Je crois qu'il est un peu dans le village, je sais plus exactement. Ça dépend. En tout cas, il est pas aux étages sur les balustrades, vous inquiétez pas. Ah bah j'espère. Allez, serait-il pas temps de ça, hein, un petit casse-dalle. Bon, en espérant qu'il a pas déjà été fait. D'ailleurs, on m'a montré une technique pour savoir si un animal a été fait ou pas. Ah. Bon. Ouais. Je vous expliquerai ça au prochain. Ça va. Là, parce qu'après là, il faudra redescendre sur le piège et tout ça. Oh, il est là. La vache. C'est quoi ça?
quoi cet engin? Prosper voulait lui dire bonjour. Bah moi j'ai pas très peur hein, des crocodiles, d'habitude ils fuient mais celui-là... C'est un dragon. Regardez ça. Ah bah... On dirait votre cheval. Mon cheval en blanc avec une tête de crocodile. Ça, c'est coup, vous voulez garder voilà. Comme cheval de réserve. Vous pouvez vous faire un habit directement. Ah bah carrément. La cartus. Qu'est-ce qu'on fait? On lui met une flèche dans sa tête? Qu'est-ce qui se passe? Non mais je peux le bourrer au double canon, je pense que je dors un coup. Hein. Ah bah, bourré. Bougez pas. Hein. Je m'éloigne. Ah bah, je risque pas de bouger, vous avez vu l'engin? Oh, il est immense. En plus il fait un bruit de tuyauterie. Ah, je pense qu'il vous a vu. Il vous a vu. Monsieur. Oh, mais ce cri. Ah, bon, pif pouf, un œil, deux œils. Oui, bravo. Ouais, incroyable. Il est à plat, ouais. Il est mort. Ah, apparemment, il est mort. Oh, bah, je pense que... Encore que, si ça se trouve, c'est un mort vivant. Oh là 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 là. On voulait qu'on prenne une photo. Ah, je veux bien. Ah ouais, ça pourrait. Moi, j'ai pas d'appareil, donc je vais le faire dans ma mémoire. Ouais, vous rappellerez de cet instant. Elle fait presque la longueur du corps. Esther, il y aura votre arrière-train sur la photo si vous restez là. Ah, ça dépend de vous, Prosper, c'est vrai. Attendez, je vais essayer de faire un truc. Vous rappellerez de cet instant, toute votre vie. Ouais, sûrement. Putain, c'est de la bestiole. Ah oui, je suis pas convaincu que ça va marcher, zut. Ouais. Ouais, je pense que je me souviens plus de comment que je faisais. Ah. On va appeler. Il est vraiment immense. T'es vrai qu'il est gros. Eh ben écoutez, hein. Une petite capture d'écran très rapide. Votre piège, votre animal. Oh. On le referait avec un appareil photo. Décortiquez-moi ça. Oui. Hop. Ça va vous en faire des sacs à main, madame. Je vais me faire une tente. Une tente à main. Je vais avoir une couverture après tout ça, moi. Mais oui. Ah bah, ouais, bouche ouverte, quoi. Ah oui, mais bouche prends tente, si j'ai envie de dire. Ah, c'est lourd. Ah. Hop là. J'ai tout eu. La sauce tomate, c'est pour les Italiens. Bah, il est bien. Eh bah, c'est vraiment une belle bête, hein. Ah oui, impressionnant. Ouais. Il va bien avec l'endroit. Du coup, ça nous ramène à du... Il est 6h du mat. Alors, faut qu'on prévoie là-bas. Par contre, moi, je vais devoir y aller. Ah. Pour cette victoire. Et un lapin adulte. D'accord. Faut vous remettre de vos émotions. Ouais, c'est ça. Eh ben, madame Garvey, vous rentrez sur Saint-Denis? Oui. Sur Blackwater. Oui, venez, je perds partout sur la map. Non. Il y a des endroits précis, des appâts précis. Il faut avoir le piège qui va aussi avec, l'appât qui va avec, l'horaire. Et bien sûr, le bon endroit. Si je vous laisse y aller, vous allez éviter de vous faire attaquer par des loups. Avec ma chance, je peux pas rien vous promettre. Et là, si vous faites attaquer et que vous êtes blessé, je vais vraiment culpabiliser. Du coup, ici, c'est le... Attends, je vais dire qu'il peut la ramener. Bah, un petit peu quand même. Et à Blackwater, il y aura plus personne, je le si sais. Si vous voulez ramener la Miss, nous, on vous attend, hein, c'est pas un souci. Hein. Bah, vous avez pas m'attendre quoi, le danger à Saint-Denis. Bon. On va chasser dans les nous, marais, on s'est occupé. Hein. On fait ça tout le temps. Vrai. Nous, l'ennui, ça nous connaît. C'est une seconde nature. Au pire, on fait un petit crochet par Strawberry. Oui, c'est ça. Étonnant. Pour chercher du bois. Pour le castor. Oui. Pour le castor. Ouais, bah oui. Mon cousin. Ah, pour de vrai, en plus. Ça serait peut-être pas idiot, ouais. Ah, mais il y a un truc d'or ici, mais il n'y a pas le truc d'or. Oh, ça doit être un reste. Yeah. Oui. Et ils abandonnent leur truc, là, plutôt que s'embêter à les déménager. Ah, mais j'ai soif. Oh là, au secours, j'arrive. C'est terrible, ça.
Moi aussi. Ah, j'ai soif, j'ai faim, j'ai toujours un truc. Qu'est-ce qui peut m'arriver de plus que de mourir? Vous faire attaquer par des abeilles empoisonnées, monsieur Duke. Ah, je vais éviter les abeilles empoisonnées, ouais. On se retrouve sur Strawberry, du coup? D'accord, ça marche. Non, on fait ça. Vous allez jusque quoi? Jusqu'à Saint-Denis, là? Saint-Denis, aller-retour, ouais. Et puis, D'accord. Ok, bon, okay. Ouais, ok. On peut quoi? On peut aller à mi-chemin, hein, si ça arrange plus les horaires. Bon, j'ai aucune idée de si ça arrangera les horaires ou quoi que ce soit, honnêtement. Si vous avez envie d'aller à Strawberry pour gratter des tickets, faites-le, j'arrive. Non, on va chez Dubois. On va chercher Dubois et peut-être des tickets, vraiment. Ouais. Bon. Oh, si on a du temps. Du Dubois, ça me dérange pas. Non mais Dubois, je veux dire... vous savez. Oui. Ouais. Des bâtons, voilà. Non mais du coup, si vous pouvez faire un peu de bois, ça sera toujours des appâts. Pour le coup. Voilà, on fait exact. Ça. Oui, bon, on va faire ça. C'est la première. Je crois que c'est juste la première étape. Hein, t'as besoin. Ouais, ça va. Oh, bah oui. Sûr, oui, bon. Oui, je pense. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Mais il est insatiable celui-ci. Oh, et tu pourras pas le dépecer dans l'eau. Ah non. Bah non, il va couler. Oh. Sauf si je l'attrape. Et si y a pas de grue qui tienne. Ah, je te vois en train de boxer un cerf là, c'est vraiment. Voilà. Oh bravo, je pensais pas que tu pourrais récupérer. Ah oui, je le pousse avec mes grosses jambes. Hey. Il se pouffe. Ils ont une armurerie à Strawberry? Je vais vérifier ça de suite. Je suis pas sûr non plus. Eh bien non, hein, j'en vois pas. Oh, c'est pas grave. Allons-y. Voilà. Regardez où c'était. Ah, c'est ultra pas logique d'avoir spawn un éditeur au milieu de la forêt. Oui, hein. Il y en a des beaucoup plus logiques que ça. Celui-là, c'est giga pas logique. C'est parti, Tempête. Aïe. Oui. Donc lui, il n'a pas de chaussures. Non, il n'en met jamais. Ça fait partie de son personnage où il a vécu une partie de son enfance dans les bois parce qu'il a été abandonné si puis recueilli à l'orphelinat. Parce que... Et il me semble que quand on n'est pas inscrit coup, à la série, je sais pas quoi, on chope pas du bon bois. C'est genre du bois moisi. Ah, tu penses? Ouais, c'était comme ça à un moment, mais je sais pas si c'est encore comme ça. On va voir. On va voir. Parce que bon, sinon, le bois, je vois pas comment on l'obtient. Bah, il y a du petit bois ici près du truc, mais c'est du petit bois et je pense que c'est pas du petit bois. Je pense que c'est pas bon. C'est du gros bois. Mais non, voilà, il a vécu. C'est vraiment un choix et d'ailleurs tout le monde lui fait la remarque. Et il dit qu'il a des orteils claustrophobes. Mais c'est qu'il s'est habitué à marcher comme ça. Du coup, maintenant, il a une. Il a une énorme corne. Au niveau des pieds qui. Qui lui permet de marcher dans les boîtes à la Hobbit. Hop là. Et hop. Là, je te laisse gérer ton petit embête. Allez, on m'attend là-bas. Il se conduit bien ton embête. Oui, je conduis bien. Oui. J'ai un monovolume. C'est un peu comme si vous aviez un tronc avec des pattes.
Ça marche assez bien. Pardon, j'ai gratté le micro. On va voir ça. Hein. De toute façon, on va essayer. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, je fais un tout petit détour avant. Vous le faites avant? Oh, allez, je avant rejoins. Et après. N'en grattez pas trop, je vous rejoins. Attends, j'ai avec toi. Oh, bon, il est parti. Hop là, pas du tout. Hop là. C'est parti pour les tickets. Bon. Je dis très souvent bon pour faire le point et en fait j'ai pas de point à faire à part bon, on va chasser et je vais acheter des tickets. Bonsoir par ici, bonsoir monsieur. Ah, je vous laisse tranquille. Alors. Morning. Hello. J'ai pris 5. Il me reste combien? Oh putain, il me reste 7$. C'est ridicule ce que je gaspille. Allez. Je fais durer. Oh, c'est mauvais signe ça. Oh, ce serait en vert écrit. Putain. Ça t'écoute. On peut gagner quoi avec ça? Des thunes? Zéro chance. $2,5 le ticket, ouais. T'as chaud, m'en fous. Morning, ma'am. Je... On s'est déjà vu. Hein. Vous aussi, vous avez tout perdu. Ah. Il me reste combien de tickets? J'en ai acheté 5, là. Vous savez combien il me reste, vieux, là? Il me reste $8, même pas. Et ben, j'ai rien gagné. Rien. Un ticket 12,5 pour rien? C'est... Oui, bah non. Bon, vite fait. Et... pas pour rien, c'est pour de la un peu de bonheur, hein. On va voir. M'offriez pas un ticket par hasard? Non, mais c'est pas grave. Vous savez, j'ai un oncle qui a tout perdu à cause du jeu. Et c'est en partie à cause de lui qu'on a dû déménager ici, vous vous rendez compte? Et moi je gratte des tickets maintenant. $2,5 d'espoir, exactement. Il a dû s'endetter pour lui. Mais bon, j'aimais beaucoup ce tonton. Enfin. À cause de lui, je devais travailler à la ferme pour l'aider à payer ses dettes. Je déteste ça. Je préfère aller pêcher. Ou faire d'autres choses, un peu plus intéressantes. Bah, je vais vous laisser, hein. Oui, je me lève comme ça.
les bardis. Du bien. Une affiche. Oh, mais faut bien interagir, s'amuser, faire des trucs. Genre. Voyez-vous prospère. Ah, salut Dilo, merci beaucoup. Merci, bienvenue à toi à tes viewers. T'étais sur Ragnarok toujours ? On a l'air très cool. Je regarde pas pour pas me spoil parce qu'il est très possible que je mette les mains dessus. Un de ces quatre. Pour le moment j'ai trop de choses mais... Mais il a l'air vraiment cool. Salut, qui c'est qui gagne ? Qui c'est qui gagne ? C'est moi. Denis Duval. Comme toujours. Enfin non, sauf quand je joue au jeu à gratter. Genre, monsieur. Bonsoir, Vinny Takashi. Je prends trop le temps sur le jeu, je loue tout. Fait toutes les petites quêtes à côté. Ah bah c'est bien, ça veut dire qu'il te plaît le jeu. Ah bah... Oh bah t'es là. Attends, il est dedans. Je vais voir s'il y a ton maître. Ah, il y a le cheval de Prosper. Mais je le cherche, je trouve pas. J'entends courir. Ah bah t'es là. Bah oui, je suis là. J'étais parti chercher, je te trouvais plus. Et j'ai vu un truc, j'ai vendu un petit peu ce que j'avais dans mes poches. Et apparemment, chez le trappeur, il y a un truc nouveau. Mmh. Alors, je sais pas trop comment... Enfin, il rachète pour vraiment pas cher des becs de paysans. Je sais pas trop comment... Enfin, je sais pas voilà. Comment interpréter ça. Tiens, un jour vous voyez un paysan qui chante dans un arbre. Tu piques son bec. Voilà. C'est bizarre. Oh, il y en a encore plein. Vous en avez pris combien ? On y a pris 5. Attends, je t'en offre un. Je vais en prendre 2 pour voir. Normalement, c'est celui qui est super bien. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas trop de troll en ce moment. Alors, j'en ai quand je joue à Minecraft. Mais sinon, sur les autres jeux, non, ça va. Mais sur Minecraft, ouais, mais je pense que c'est lié à ça et plus. Attention, roulement de tambour. Je pense que c'est lié au jeu et plus au jeu qu'à la période. Et toi, t'en as plus que d'habitude ? J'ai jamais aimé le tambour. Allez, je gratte mon dernier. T'as gagné quelque chose ? Oh là. Beaucoup d'amusement. Ah bah oui. Du fun, du fun, du fun. Et voilà. Voilà, voilà. C'est super. J'en ai aucun nom. Ah, tant mieux. Oui, bah, j'ai vu ce qui se passait sur Twitter, les raids ultra cringe, ultra edgy qu'il y a surtout sur les streams de streameuses francophones. Moi, j'en ai pas eu. Pas de regret, quoi. Donc, tant mieux. Mais j'ai prévenu mes modos. On avait dit qu'on finirait pauvre. C'est super. C'est vraiment génial. Et ça gagne moins qu'avant, non ? Bah déjà qu'avant, ça gagnait pas. Et c'est vrai, c'est vrai. Oui. J'ai l'impression que... En fait, ils vous voient arriver. C'est un petit peu comme, vous savez, les gens qui vendent de la drogue. La première dose, elle est gratuite. La deuxième, il dit « Oh non, mais c'est pas cher !» C'est pas cher, je t'en donne pas le poids d'un.
Ouais, voilà. Puis après, bah voilà. Et après, c'est ah, bah maintenant, va falloir raquer, mon petit. Ah, bah ouais. Ah, ouais, c'était chouette de gratter. Ah, ouais, bah voilà. Défoncer le pas avec le. Oui, oui, bah je suis en train de travailler là. Ah, ouais, je vois ça. Good, hein. Je vais vendre 2-3 trucs, je pense, au trappeur, donc. Enfin, au. Hein, oui. Voilà. Histoire de me refaire quelques centimes. Et des raids de ce genre, mais il y en aura sûrement toujours, mais ouais, là, ils sont... Il y en a des hardcore en ce moment. Bah, regardez bien le bec de paysan. Mais le pire, c'est qu'en plus, il est... Je sais jamais, quoi. Ah oui, je vais regarder. En plus, ces raids-là sont signés. Donc, par un pseudo qui veut rien dire, mais c'est signé. Ah. En fait, tu ressembles à Tempête, mais t'es pas Tempête, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, dis donc, avec des paysans. Eh, c'est spécial. Ah, c'est trop drôle. Oh, faut que j'en de quoi, moi? Viande de conchiveux, jet granier, griffe d'ours et dents d'alligator. Parce que je vais pas vendre d'autres trucs en cas où, voilà. Bon, les autres trucs que j'ai chassés, ça va m'apporter... là, l'alligator, ça va m'apporter au moins 20$ en vrai. Hein. Beaucoup de signalements de la part de Grand Streamer Country. Ouais. Les amis de Borne. Ah, je sais pas, mais en tout cas, ici, les paysans, ils ont un bec. Ils pincent. Qu'est-ce que je vais là, moi? Vous appelez Denise. Et vous étiez venu gratter des trucs. Vous étiez venu de moi. C'est bon, terre, forêt, comme une forêt. Ça va vous revenir, c'est rien. Regardez, je vais vous présenter quelqu'un, vous allez voir, il y a une grosse voix. Non, mais... Voilà. Oh, putain. Dame Denise. Ah, Monsieur Duke. Arrête, c'est juste que... Ouais, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, elle sait plus où elle va, elle erre sans savoir. Mais... Elle a perdu la tête, la petite dame. Bah, bon, moi, non, mais... Bon. Non, c'est juste que je marchais sur le pont et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais sur le pont, quoi? Mais Prosper, il arrive derrière moi, il fait, bah, vous vous appelez Denise. Et du coup, c'était juste marcher machinalement, je pensais en même temps. Voilà, c'était... Ah, d'accord, ça va. T'avais pas perdu la tête complètement, ça va. Ah, bon, ouf, on est sauvés. Putain. Combien j'ai de doigts? Vous... On est quel jour? Vous avez acheté? Très bonne question. Oui. Vous avez déjà perdu même. Ah bah oui. Bon, on n'est pas obligé d'en parler. Non, on n'est pas obligé d'en parler. Ah, non. Bon, pour le bois, du coup. Moi j'ai 3 bois bruts. Donc si on veut se plater un castor, on peut y aller. Un castor légendaire. Oh putain. Alors, attendez. Parce que, alors, quelle heure qu'il est? À moi qui ai un truc plus... S'il y a un truc plus tôt. Il est 4h. Oui, c'est nil, quoi. Oh, j'en peux plus. Bah, il est 16h. Ah, j'ai mal au ventre. On peut faire du... Histoire du 19h, 23h. L'autant qu'on bouge à un endroit, quoi. Oui. Ouais. Attends, c'est quoi, ça? Un Wapit légendaire. J'aime comme il dit streamer masculin, personne ou sa gueule pour dire stop. J'essaie de trouver l'endroit. Récemment, il y a un peu Ponce qui l'a fait. Et il s'est pris un tollé de. Je cherche dans mon autre petit carnet. Une tollé, une grosse tollé de merde. Tabarnak, ça. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi que, à part des belles paroles, il y a de la part des streamers masculins, quand t'as des grosses commu trolls, il n'y a pas assez de mobilisation. Enfin, ça a beaucoup plus d'impact en fait. Donc.
Et vous, ça a été? Il est si sombre dans la pluie. Il a peut-être un petit mal de tête. Je vais voir mes télégrammes. Au cas où il y a plein. Excusez-moi. Ah oui, pas de soucis, pas de soucis. Je vous ai répondu. Non, non, j'ai dit. Moi, je vais juste accompagner. Pardon. Pas de soucis. Il y a deux minutes, je marchais en parlant tout seul. Alors bon, je vais pas critiquer quelqu'un qui juste me répond pas. Je sais pas si je suis bien passé. Non, non, mais... oui, pardon, je vous ai coupé. Non, non, oh, bah non. Putain. Ah bah non, ouais, pas coupé. Ah, bah, j'ai mal. De, entre 19 et 23, un petit cerf ombré légendaire. Oh, il a besoin de quoi, lui? Ah, avec du maïs, j'en ai. Ah bah super. Oh. Bien, allons-y. Je fais toujours cet effet-là. Ah, c'est parce qu'en fait, j'ai cru que j'étais devenu fou et que vous aviez disparu. Ah, parce que vous nous entendiez. Ah non, je vous entendais plus, je vous voyais plus, il n'y avait personne. Ah. Donc, d'accord. Ça y est, je perds la boule. Alors, vous, au lieu de vous dire on a peut-être bougé à un autre endroit, vous dites je suis fou, quoi. Avant, je suis sérieux. Oui, avant, j'ai d'abord les suppositions les plus farfelues. Quand vous avez été kidnappé par des abeilles empoisonnées, par exemple. Ah, bah, évidemment. Et ensuite, par déduction, je me suis dit, j'ai pas entendu bzz bzz, tout ça. Donc je me suis dit, non, il doit y avoir une autre explication. Donc, Bacustation. Pardon. Bacustation avec du maïs que j'ai. J'ai appelé un peu Bijou pour l'entraîner, tiens. Ouais. J'en ai marre qu'elle se traîne. Je vais venir derrière Bijou, si vous voulez. Oui, c'est Bijou. C'est vers où? C'est juste au nord de Valentine, hein, c'est le pont. Là où il y a le grand pont. Bacu Station. Ok. Parfait. C'est parti. Bijou, elle brille sous l'eau. Mais sublime. Allez, Bijou. Ça fait quoi d'être sur un poney? Oh bah, mon premier choix, c'est cette taille-là. Ah, c'est vrai que regardez. Bon, j'ai l'air un peu con, mais ça va. Mais quand je suis tout seul dessus. Là, j'ai vraiment l'air. Et vous avez l'air d'un adulte sur un vélo d'enfant, quoi. Sur un monocycle d'enfant. Vous avez vu comment je me suis rattrapé? Ouais, parce que vélo... On dit... C'était quoi? Vélocipède, c'est ça? Et elle s'appelait comment, la jeune fille déjà? Esther, c'est ça? La dame que j'ai accompagnée? Oui. Oui, Esther Garvey. Je crois que j'ai croisé, mais je la connais pas en fait. Elle est docteur à Blackwater. Et c'est la femme d'un ancien marshal qui est maintenant shérif de comté à Blackwater. D'accord. Ah oui, je l'ai croisé en tant que médecin. Je connaissais juste pas son nom. Oui, sûrement, elle est là depuis très très longtemps. Non, mais sa voix me disait quelque chose. Elle était pas mal médecin à Valentine's aussi. Ah oui, d'accord. Ils sont un peu mieux payés, les médecins, là? Que bon... Je sais. J'ai cru comprendre que c'était un petit peu compliqué. Ah, Bijou, ça va. Je commence à être pas trop mauvais. Ah, il est 7h et quelques là. Il faut que. Ouais, il faut qu'on y arrive. On a encore du temps. Mais... J'ai dit que c'était. Maïs. On faut qu'on ralentisse un peu. Elle a pas l'habitude.
façon, oui, on a le pont, c'est mieux. Oui, 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 je regardais de l'autre côté. Je vois que Bijou, elle a suivi mon regard. Ah, j'ai l'habitude d'être à l'arrière. Hein. Du coup, je peux regarder où je veux. Ouais, bah ça dépend des communes après, Sam aussi. Hein. Vraiment, t'as des communes qui sont juste insupportables. Et même des communes de streamers que j'aime bien, malheureusement, leurs communes, eux, sont en partie assez détestables. Je sais pas si. Oh, si. Oui, ouais, allez, au moins jusqu'au boucher, et puis après. Attention, chat. Attention, chat. Ah, j'ai pas vu. Voilà. Je voyais pas de chat, moi. Non, c'est bon. Arrêtez. Stop, voilà. Ah, on a plus le droit du tout de... Ah oui, d'accord. Ah bah non, pas le galop dans la ville. Oui, oui. Non, on n'a jamais eu le droit. Oui, bon, c'est vrai que j'ai ralenti un petit peu tard, mais je me suis dit, ah, peut-être qu'il n'y a pas le droit du tout au chevaux. Oui, bon. Ouais, mais justement, après, quand on prend l'angle et tout, c'est trop chiant, quoi. Voilà, ils sont... Bonsoir. Oui, c'est les docteurs, ils ont le droit d'être tout nus. Ah oui. Ouais, ça me va, genre. Ouais. Faut les diplômes. Allez, go. Diplôme de nudité, de nudisme. Enfin, un permis peut-être. Permis de nudisme. Début des années 1800. Ah ouais, d'accord, du coup ça va. 1900, t'es large pour en parler. Ok, j'étais pas sûr. Vélocipède peut-être quand même. Que. Oui, c'est ça, vélocipède. Hein. Genre des petites chansons qu'on voudrait pas dans ma tête. Ah oui, bah non, mais c'est bien, ça divertit pendant qu'on conduit le cheval. Si vous aviez même un petit harmonica, c'est parfait. Non, j'en ai pas. J'ai essayé. Il y avait un petit élan de trompette quand même. Moi je reconnais un peu quand même. Non mais j'ai reconnu. Et c'est bien ça. Et c'était Marie avait un agneau, c'est ça, ça. Ah merde, alors je faisais pas spécialement une mélodie particulière. Quelle heure il va être là? Aïe. On est plus trop loin. 19h23, hein. Ouais. C'est vrai que j'ose pas couper vu que je connais pas la route. J'ai peur de tomber dans des trous. Coupé, Il va dans Bijou. Oui, apparemment. Je sais pas trop où. Peut-être là-bas. Ici. Je sais pas. On va essayer. Cumberland. Oui, j'ai mis là-bas, je sais pas si je savais pas où. Là. Ah d'accord. Station, c'est la station en fait. Ah c'est vraiment la station, ok. Qu'est-ce qu'il faut comme mappa? Maïs. Même chez Duke il a. Ici. Ok. Voilà, foutez ça par là. Oui. On va se foutre sur le toit et il va bien venir d'une manière ou d'une autre. Je vous passe le maïs. Vérifiez bien qu'on est bien vacu station pour vous, si vous le sentez. Hop. Oui, c'est bon. Maïs. Hop là. Hop là. Et voilà. C'est la bonne... C'est le bon endroit. Wow. Et foncer dans la porte.
Sur les caisses, dame Denise. Vous pouvez venir ici. Hein. Oui, vous êtes monté par une échelle ? Non, les caisses, les tonneaux. D'accord. Oui. Mettez-vous devant. Cassez pas tout. J'arrive pas à monter. Oui, j'arrive pas à monter. C'était de l'autre côté. Oui, ce que vous m'avez montré, j'arrive pas à monter. Vous étiez dessus. Oui, j'arrive pas à monter. C'est ici, c'est les tonneaux, mettez-vous devant. Tout droit, tout droit. Voilà, on va aller doucement. On va aller ici. Oui. Non, je pense que je suis... Ah, si. Vous êtes une femme, ça va pas? Ah si. Cette phrase est horrible. Oui. C'est le geste, c'est pas moi. Sur les toits. Les femmes n'ont pas le droit de monter sur les toits. Ouais. On fait des interdictions, hein. Alors, non, c'est un petit cerf noir. Ah. Si on vous autorise, et vous allez jouer du piano et de la trompette sur les toits, on vous connaît. Je comme pense qu'il va arriver de là-bas. Si vous voyez où je vise, là. Dans ce coin-là. D'accord. D'accord. Parce que moi, alors, j'étais en train d'envoyer des télégrammes et... Vélocipède et Ruby ou... Et, ou Dresden. Ils m'ont tué de ce côté-là, donc je ne l'ai même pas vu. Ah oui, vous me laissez tuer parce que si on le rate, il va courir dans l'autre sens, il va... Oui, je m'éloigne un petit peu, je me mets bien au bord, comme ça je gêne pas. C'était très chiant. Pas de soucis. Ah, d'accord. Y'a pas de pédale. Oh là là. Ah. Mais oui, pour en revenir à... Est-ce que tu disais ça, mais effectivement, il y a aussi le problème d'avoir un public très jeune et pas forcément très mature. Jusqu'à 23h. 19h-23h. Oh bah, dernier appel. Ah. On est d'accord que c'était marqué Bacchus oui. Bridge. Hein oui, Bacchus oui. Station. Bacchus Station. Denise. Oh, ah mince, vous m'entendez pas. Oui, Bacchus Station. Oui. Non. Ah. Station, ouais, c'est ça. Attention, c'est peut-être derrière. Non, c'est pas derrière. Je trouve que c'est comme ça, un cerf noir. Dans le noir. Ouais. Mais si on le laisse bien approcher, normalement, il va arriver vers le piège, hein. Pourquoi il est quelle heure là? Il est quelle heure, pardon? Il est déjà un petit peu 11h20. Ah oui, oh mince. Mais peut-être qu'il est là et qu'on le voit pas bien. Hein. C'est possible aussi. Hein. Peut-être, peut-être. Je vois. C'est quoi ça? On voit les ombres. Ah, mes jambes, bordel de merde. Oui, moi je veux pas me faire mal. Je vais descendre là-bas. Ah, voilà. Accustation Mace, ouais, c'est bon. On est peut-être un tout petit peu limite. Ah, peut-être on était trop juste. Oui. Bah, ouais. C'est à cause du bijou, elle est passée rapide. Ouais, elle trace quand même, bijou. Oui, ça va. Ça va, ça va. Oui, je pense qu'il faut prévoir un peu le truc plus large, quoi. Est-ce que ça vaut le coup d'attendre encore un peu ou pas du tout? Ou est-ce que je prends pas un... Non, c'est bon. D'accord. Non, c'est bon. Hop là. Dommage, hein. Y'a dommage. Oui, du coup. Ah oui, tiens, Prosper, il est où? Ah, il a disparu. Prosper? Je suis là. Ah, on a cru qu'il y avait des abeilleuses. Ok. Non, mais ça c'est... Oh, j'ai cassé un caillou avec mes pieds, regardez. J'ai vu ça. Mais ça c'est la corne, ça. Puissance, puissance mais ouais, pédestre. Mais j'arrête pas de le dire, les gens ils y croient pas. Maintenant on pourrait leur dire. Clac, la corne. Fugace du pied. Qu'est-ce que je veux dire? Alors je vous explique. Quand vous mettez le piège... Oui. Et que vous mettez, que vous l'ouvrez, vous avez mis la paille, vous l'ouvrez, vous restez dessus, vous bougez pas. Ah.
Vous bougez pas. Et au bout de une trentaine de secondes, si vous glissez automatiquement un petit peu comme si vous étiez possédé en dehors du piège, que le piège vous fasse marcher sur le côté, vous fasse glisser en dehors du piège, ça veut dire que l'animal a été déjà fait et que ça sert à rien d'attendre. Oh là là, c'est technique, hein. C'est des techniques Wapiti. Ah oui. Ouais. Ils sont vachement rusés, les Wapiti. C'est fou, ça. Comment ils ont deviné ça? Ils sentent, je sais pas. Donc, voilà. C'est fort. D'accord, je vais faire ça à chaque fois, alors. Parce que c'est vrai que peut-être il a déjà été fait aussi. C'est possible aussi. Bah ouais, c'est ça. J'en profite pour regarder mes télés. Oui. Moi, j'en profite pour rien faire. Mes télés. Oui, c'est ça. J'en ai pas. Ouais, la personne qui m'écrit à part vous, madame Lise. Oui. Donc ça va. Ah si, moi je vous ai déjà écrit. Si, c'est vrai. Hier vous avez dit, si vous êtes là, je m'emmerde. Si vous êtes là, je m'emmerde. Bah j'étais pas là du coup, c'était embêtant. Ah. Moi j'écris à vous deux, un peu à Pearl. Oui. Moi j'écris pas à Pearl parce qu'après elle chante. Ouais, mais elle écrit, on n'entend pas. Ah, c'est vrai. Bon, là on est parti pour aller où, à pied? Attendez. J'ai une transcommunication avec les Wapiti. Vous écoutez le train des Amber? Donc du coup, j'essaie de me dire, tu racontes des conneries, c'est l'inverse. Et si ça vous éjecte en dehors du piège, c'est qu'il n'a pas été fait, c'est qu'il va arriver. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Si vous bougez, il arrive. Merci Léo. Merci. Donc il faut bouger alors, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Disons, vous avez une sacrée communion avec les esprits, vous. Les esprits Wapiti. Ouais, c'est parce que j'ai énormément fréquenté les natifs. Hein. Ah, c'est fou. Les pinous là, je sais pas quoi là. Ah, les esprits ancestraux de Denise, ils sont beaucoup plus discrets. Oui. Ils sont partis rester à Rouen alors. Il faut là. Ici. On fait le castor. Le castor il est où? Il est ouais. Ah non, il est loin. Ah non. Ah si, il est loin. Je vais faire le serpent, mais le castor je sais pas encore. Non, il me semble qu'il était à. On voit pas. Ah Wangila. Là. Trop loin. Je regarde. Oui, pas de souci. Oui, parce qu'en général, le matin, c'est plus l'est du pays, j'ai remarqué les trucs. Et le soir, c'est plus l'est, l'ouest. Enfin bon. Oui, c'est bientôt notre coyote, non? Ah là, on est au centre. Par, panthère. On n'est pas. Bof. T'es en fin de matinée. Celui-là, il y a peu de chances qu'il ait été fait, vu le coin. Oui. Puis surtout, le renard rouge rat là, Ruby Ah oui, c'est vrai, oui. J'avais oublié celui-là. C'est je sais pas si il est con, mais oui, Ruby en tout cas, oui. Bah, il était à Annesburg. Oui, il était au-dessus d'Annesburg, là, à côté du ruisseau, là. Attends. Oui, il y a celui-là. Parce qu'il y avait aussi le cougar qu'on avait essayé de faire. Oui, celui d'Annesburg. Ah, si vous voulez, il y a... Vous avez du foin? Normalement, oui. Je vous dis ça. Oui, j'en ai. Ok, j'ai un 8h-12h avec du foin. Oh, c'est bon. À Caliban City, c'est... Vous voyez le N de New Austin, le N de début? Du New Hanover, pardon. Ah oui, d'accord, oui, je me disais ça me paraissait loin. Oui. Il y a Caliban City. Ah oui, au-dessus. Je regarde en dessous, je sais pas pourquoi. Voilà. Entre New et Valentine, c'est là qu'on va. Ah ouais, je connais. Entre 8 et 12 heures avec du fouing. Ah oui, j'ai dû être pêché là-bas. Let's go le fouing. Let's go le fouing. On s'en fout, on les laisse. Il y en a 12. Oh, il y en a qu'un. C'est que ça. Jamais vu autant de ma vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, 6, ça va. Ah bah 6, c'est beau. Okay. Je me demande s'il n'y en avait même pas plus. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. J'ai l'impression d'avoir vu peut-être même 7 ou 8. Ah, vu de nez, j'ai eu l'impression qu'il y en avait 6.
Eh ben. Ils étaient vraiment pas loin de nous, dis-moi. Eh oui, ils nous observaient. Ils c'est eux qui ont mangé notre cerf. Démarré. C'est ça. Ils ont becqueté le cerf légendaire. Ils sont hargneux aujourd'hui, les loups. Ils sont toujours vers les chemins. C'est bien. Maintenant, ils ont compris. Hein. Ah, peut-être qu'ils ont envoyé le double de la brigade lupine habituelle pour, parce qu'il y avait M. Prosper avec nous aussi. Ils m'ont vu casser des pierres avec les pieds. Ah oui, c'est vrai, ça c'est impressionnant ça. Comme quoi, hein, tout le monde arrête pas de dire oui, t'as pas de chaussures au final. Mais est-ce qu'ils savent casser des pierres avec les pieds? Bah non. Moi je pense pas. Ben voilà. Moi j'ai jamais essayé, ça se trouve je sais très bien faire après. Un pied de loup déjà. Bon, ça se mange, c'est bon, mais on casse pas des pieds. C'est vrai, c'est vrai. Oui, j'en ai des tout petits aussi. Des tout petits pieds de loup? Ah, les loups, ils ont des petits pieds. Des pieds de loup, tu vois. Ça veut dire quoi, fumée bleue? Y'a la fête? Ah, c'est où, fumée bleue? Ah oui, en face. Là, en face. C'est dans le cimetière, c'est Halloween? Je sais plus. Oh, je sais plus. Il y a peut-être une cérémonie. Bon, y a de l'agitation. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. C'est vrai, il y a un médecin qui veut bleu ou c'est quoi? Feu d'artifice. Ah, pardon. Ah, c'est feu d'artifice. Non. Ah, oui, d'accord. J'essaie de remonter vite et je crois que je lui ai saisi ses cheveux. Je suis navré. Venez par là. Oui. Parce que j'ai eu l'impression qu'on gênait, alors j'ai eu peur, mais si vite on s'en va. Pas si bas. Ah, bon anniversaire. Bon anniversaire. Je peux en aider d'autres. Voilà, tu fais attention de bien te reculer après avoir allumé la mèche. D'accord. Je crois que j'ai. Voilà, pour fêter les. Voilà, t'as vu ça? C'est beau, hein? Salut, je peux vous donner un bandage? Ah, ça va le faire, vous inquiétez pas. On va faire mon patte. Merci. Déjà. Sans souci, sans souci. Ah, d'accord. Oui, c'est que vous êtes en convalescence et c'est douloureux. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, c'est monsieur. Ah, Denis. Oui, excusez-moi. Oui, il est là, c'est Prosper, monsieur la grosse voix. C'est moi. Allez bien, monsieur. C'est lui. Ça va. C'est un peu moi aussi. C'est votre anniversaire? Très joli chapeau. Oui, merci. Et bah, bon anniversaire. Bon anniversaire. Vous aussi, vous priez les lois? Moi, je casse les pieds avec des pierres, ouais. Je prie personne, moi. Je trouve qu'il est joli. Ah, bah, il est très joli. De quoi? Je l'aime bien. Happy birthday. Ouais, il est sympa. C'est vrai. Il va falloir qu'on aille, parce qu'on a une chasse légendaire à faire et il faut qu'on tout à fait, on a un timing serré. On a un. Au revoir, enfin. Un peu du temps. Bonne soirée. Au revoir. Et bon anniversaire encore. Merci. Hop là. C'est un truc de riche maintenant, ça coûte 5$. De quoi donc? Les feux d'artifice. Elle est pas au galop. Ah oui. Ah oui, non, c'est vrai. Mais des fois, il y a des gens qu'on a gardé de, quand ça coûte 2 tickets. Eh ben oui. Oui. Alors, exactement, j'allais le dire. Vous comptez tout en tickets? D'accord. Et ils ont inventé les dollars, alors qu'en vérité. Oui, la vraie monnaie, c'est les tickets Ross. Les tickets Ross. Les tickets. Et les gâteaux. Allez, go. Oh. On descend à droite, ça va aller plus vite, je pense. Oh, ça va. C'était une petite glissade. Ça va. Hop, petite glissade sur le cul. Hop. C'est bon pour se faire. Tu l'as, je l'ai. On y va. Je viens jamais dans ce coin. Je crois qu'un grizzly là, me semble-t-il. C'est vrai que je passe jamais ici non plus. Pas moi non plus. Hop. Bon, les pierres, oui, ça, on le connaît un petit peu. J'essaie de. Voilà, ça se voit. Ah merde. Allez, voilà. Zéro respect des routes, il prend plus enfin, court. On pourra pas l'avoir. Pourquoi? Ah oui. Vous venez de faire la chasse légendaire. Non, mais je vous le laisse, si vous voulez. Moi, y'a pas de soucis. Oui. Hein? Je vous le laisse. Mais c'est pas celui-là? Non, ça c'est autre chose. Hein? Ça c'est très doux, okay. Mais j'aime bien le garder avec moi. Oui, non, bah un petit nachob après soi, c'est bien sûr. Oui. Je vous laisse sans soucis, sans.
Il y a pas de problème. Bon, il y a encore un peu de temps à attendre donc. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui. Justement pour ne rien faire en attendant. D'accord. Ah, mais on peut vous le laisser. Bah vraiment. Oui, nous on est pas. Bon, j'allais dire Blackjack, Black Potter. Ah. J'aime bien. Eux, c'est les tickets. Ils avaient sécurisé Black Potter. Sécurisé bien le saloon. Oui, voilà. Allez. J'aime bien. Bonne soirée. Il est accro au Blackjack, il est tout le temps. On juge pas, on juge pas. Ah, oh, c'est terrible, c'est les gens qui arrivent pas à se contenir. Ah, je trouve ça. Il dort 10 fois. Alors, c'est terrible. Je pensais de le mettre en endroit où vous le voyez parce que. Bah oui, mais je me disais, je le mettre en contrebas, ce serait peut-être mieux. Ouais, là, sur les cailloux gris, là, non? Oui. Ici. Où ça? Là? Bah là où je suis. Là, hop. D'accord, d'accord, j'avais peur qu'on soit un peu trop proche, sinon. Parce que je pense qu'on va se mettre en deux. On a qu'à se mettre en roche. Hein. C'est quoi qu'on chasse? Je ne sais pas. Ça va être Alors, foin, je pense pas que ce soit très méchant. La surprise. Hop là, petite technique perso. Les fameux loups végétariens. Hop. Oula, ils sont flippés ceux-là. Kaligan Sith. Ah, et on va voir si vous glissez. Ah oui, faut que je réussisse, c'est vrai. Ah. Ah, petit mal de tête. Je vais rester dessus, je vais pas du tout bouger. Je crois qu'il faut que je me mette dessus. Je sais plus s'il faut ouvrir des trucs, il faut faire, je sais pas. Ah, c'était une chorégraphie bien compliquée. Je vais attendre un petit peu. Oui. Et si on. Et sinon, je ravance un petit peu. Oui. Et sinon. Je vais se rebeller et acheter un ticket. oui. Mais est-ce que ce serait pas plus rapide que, quitte à flinguer du pognon, vous me donniez directement le pognon? Il me resterait plus rien pour mes tickets. Ah ouais, c'est juste. Ou alors, vous me donnez le pognon, je me secoue comme ça. Enfin, je veux dire. Écoute, t'es pas obligé de me décrire ce que tu fais de tes soirées, hein. Je me secoue comme ça. Et puis je vous dis, perdu. $0. Oh, mais non, mais du coup, je fais rien. Ah. Oh, mais je peux récolter des pierres ici. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est ces trucs? Je récolte des pierres. Ok. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je bouffe? Eh oui. Ouais, je glisse pas. Non, il y a peut-être un moment, il faudra peut-être demander à Monsieur Duke à quel moment ça glisse vraiment. Oh, les cailloux, ils glissent. Oui, les cailloux, ils glissent en tout cas. Ou alors, c'est le fait que vous glissez pas parce qu'il y a déjà été fait. Mais peut-être, hein. Eh ouais. Oula, je me suis tout nu. Et hop. Oh, il y a votre piège. Ah, mais vous êtes. Il y a que moi qui a eu le. Oui. Oui. Ah, bah ça, j'ai eu peur que vous ayez eu un mal de crâne aussi, que votre piège soit foutu. Oui, ça m'aurait fait 2 tickets en moins. Et puis surtout, faut qu'on aille chercher Tumbleweed, c'est ça le problème. Hein. Oui, c'est vrai. Alors j'ai essayé de pas bouger, enfin j'ai pas bougé sur le moment, mais c'est rien passé. Oui. Du coup, je me suis mise bien dessus et il se repasse rien. Donc vous on va. Mis la part et tout. Hein. Oui, il fallait bien l'ouvrir. Il fallait au moment où vous l'ouvrez, vous bougez plus et d'accord. Il vous a pas décalé, coupé, décalé sur le après, côté. Non, mais j'étais pas vraiment dessus, j'étais un tout petit peu à distance, alors je sais pas si. Ah, non, quand je l'ai activé, j'étais pas tout à fait dessus en fait, j'étais même en. Donc peut-être que j'étais un poil trop loin. Pour que le rituel soit opérationnel. Ouais, je sais pas. Écoutez. C'est à quelle moi, heure? Je propose qu'on attende. C'est à 8h, 8h midi. Donc c'est bon. Pendant une dizaine de secondes. Moi je m'éloigne un petit peu. Je sais pas ce que c'est, mais ça doit être un herbivore. Hein,
On avait déjà dû faire du foin, mais je sais plus pour quelle bébête. Il y en a beaucoup des bêtes qui font du foin. Je me souviens plus. Le foin, par exemple, il y en a pour des antilopes, des béliers, des cerfs, oui. Des bisons, ah, des... J'entends pas, monsieur Duke, il est trop loin. Des bisons, des cerfs, des béliers, des... Ah oui, je crois que j'avais vu, je m'étais renseigné pour le bison, des... oui. Ouais. Ou apiti. Oui, d'accord, bon, bon, en fait, ça peut être tout ça, quoi. On sait tout ce qui bouffe de l'herbe, quoi. C'est un bon résumé. En d'autres termes, les herbivores. Oh. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur les herbivores ? Non, j'ai pas pensé. Qu'est-ce que vous savez d'autre sur les herbivores ? Les herbivores mangent de l'herbe. Ouais. Par défaut, ils ne mangent pas de viande. Contrairement aux viandivores. Contrairement, voilà. Aux viandosaures. Aux viandox. J'aime beaucoup. Et ben j'ai l'impression d'être moins bête maintenant. J'ai jamais cette impression, mais ça me dérange pas. Ah, ça a couiné par là, non ? J'ai entendu un petit bruit de chacal ou de coyote ou de... Ah mais non, bah, ils sont plutôt carnivores, je suis con. C'est moi qui ai rigolé. Non, c'était dans le sens. Ah, attendez là-bas. Oui, c'est ce que je me disais aussi. Ou je sais pas quoi, là. Oh, il est tout blanc. Oui, c'est ça. Il c'est a l'air ça, tout blanc, oui. On va le laisser avancer, oui. C'est parce qu'il est très loin, là. Bon, après, je peux le fumer d'ici, hein, il y a la tête, mais... Il arrive de face, j'en profite. Ah oui, bah on oui. Faites comme vous le sentez. Pas de problème. Boum. Expéditif. Le deuxième, c'était au cas où. Oui. Moi, je vais reprendre tout de suite parce que j'ai peur que je m'éloigne de trop m'éloigner, sinon. Je reprends. Ouais, le piège. Oui. Oh, il a comme des bois rougeâtres. Oui. Oh. Ah, il avait l'air plus pâle de loin. Ouais. La belle bête. Oui, c'est une belle bête. Oui. On a bien fait le tuer. On a bien fait le tuer, il était beau. Ah oui, vraiment, c'est, bah oui, c'est ça fait un plaisir. Mais en même temps, il faut réguler ce genre de bête. Hein. Est-ce qu'il y a moins... Bah, c'est le seul que j'ai jamais vu de ma vie, mais il faut la réguler, lui. Hein. Oh, non, mais après, c'est ça. Les espèces uniques comme ça, là, faut... Spécimens uniques, il faut les réguler. Là. Après, ça attaque les jardins, ces bestiaux. Oui, puis ça... Il risquerait de piétiner les bégonias et tout. Puis ça passe sur le chemin quand on chevauche. Ah, t'es les conneries, quand même. C'est ça. On va pas se laisser emmerder des fois, ils nous regardent de loin, je sais pas quoi. Oui, ils nous jugent. Mais bon, imaginez, il attaque quelqu'un. C'est ça. Vous avez vu la taille du bestiau ? Là, il vous chargeait, monsieur. Ah bah là, il fonçait droit sur vous. J'ai même failli dire, au secours, il fonce droit sur nous. Je voyais le sang injecter ses yeux. Ah ouais, on a vu la rage de la bête. La rage sanguine. On est approché. Oui, bah en fait, de courir dans les prés comme ça, ça m'a donné envie de tomber dans une musique un petit peu champêtre. Un petit peu champêtre. C'était comme si je pouvais pas m'en empêcher. Oh. Oula. Qu'est-ce que t'as eu ? Ça a crié bizarre. Un petit possum. Oh, t'as eu un possum ? C'était le possum à Virginie. Je suis désolé pour elle. Il crie au possum de Virginie. Tu vois, je t'avais dit que ça donne envie. C'est vrai, j'ai pas pu résister. Oui, oui. Instinctif, quand on court dans les prés comme ça.
là-bas. J'ai déjà pêché. Oui. Bah là-bas, vous avez déjà pêché. On n'a pas le même jouet. Toi, c'est autre chose. J'essaie de trouver un endroit, mais je suis mal à voir où c'est. Ah. On peut peut-être vous aider. Oui. On est balèze en géographie. Ah ouais, tellement, oui. Tellement balèze en géographie. Là-bas, c'est le nord. Et là-bas, j'ai déjà pêché. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que je regarde un peu les endroits où ils sont à chaque fois. Pinaise, heureusement je me suis mute parce que j'ai tous ces maras là à l'instant en rigolant. Ok, si t'arrives, t'as chaud? Oui, j'ai enlevé un petit peu. Comme ça, je suis un peu chinois. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu distingué quand même. Oui, c'est bizarre. Mais ce petit pantalon natif, j'aime bien. Et oui, il t'a l'air bien à l'aise dedans. Oui. Oui, il est chouette. Oh, ça me rend ouf. Oui, oui, c'est ouf. Ça s'appelle quoi? Bah, le problème, c'est que si Fire... Finalement, je m'en remets à tousser de ouf. Comment ça se fait? Attendez, je suis où? Ah. Je sais même plus où c'est. C'est Firewood Rise. Et c'est à côté d'un truc où il y a marqué Forest. Je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. C'est marqué en tout petit, non, en fait. C'est pas ce que je vois. Ça, c'est limite les trucs qui sont écrits à la main. Mais... Ah, mais si c'est écrit à la main, c'est pas sur notre truc, oui. Ah oui, je sais. Mais c'est à côté d'un truc où il y a marqué Forest. Et c'est où qu'il y a marqué Forest en assez gras comme ça? Un truc qui a marqué Forest assez gros. Et assez gras. Hein? Ah putain, ça y est, c'est Cumberland Forest. Ok. Ok, ok. Ah oui. Ok. C'est vers Cumberland Forest? Ouais, ouais, c'est là. On peut y aller. La question qui est mise à moi quand même. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Fleur. Entre 13h et 18h. Allez, c'est parti. Faut qu'on se bouge le cul. Parce qu'il est midi. Mais je monte vite avec toi. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à trouver, désolé. Hop là. Pas grave. C'est parti. Mais tout le monde a l'air grand quand il est en groupe à côté de moi. Oui, c'est vrai. Ils sont ridicules. C'est peut-être un galop de femme en fait. Salut Exoflou. Merci beaucoup pour le follow. C'était un peu courbé. Oui, c'est ça, mais c'est ça, c'est pour faire moins de résistance au vent. C'est vrai, c'est de l'aérodynamite. On m'a toujours dit que j'étais dynamique. Oh, j'ai cru qu'on allait s'envoler, dis donc. Oui, heureusement qu'on va pas plus vite, hein. Ben oui. Dans mes souvenirs, il y a un train là, non? Ou de l'eau? Ah oui. En douceur. Ah. J'ai eu plein d'aides du gouvernement, c'est trop bien, je vais pouvoir acheter plein de tickets. Et tous les chemins, on va jamais. Ah oui, hein, pas du tout, hein. C'est vrai qu'ici, on a la vie. De quoi? Bah, on connaît pas jamais. Du tout. Ah. Je viens pas souvent.
Mais c'est chouette. Au moins, on visite un petit peu. C'est ici. Ouais, c'est joli aussi. Il dit c'est ici, mais il s'est pas arrêté. Ah si, c'est bon. C'est ici, adieu. C'est ici, c'est ici. Viande d'oiseau, hein, du coup. Ah, viande d'oiseau. Vous en avez, sinon j'en ai. Non, j'en ai pas, comme d'habitude. C'est tellement avec style. ne bougez pas. Hop là. Ah, je viens de vous donner. Ouais, vous en avez. Bah, comme vous voulez, comme vous voulez. Hop, hop, je suis plus rapide. Ah, voilà. Et en plus, comme je suis un peu idiot, je l'ai pas pris. Alors restez bien sur le piège, après on va voir. Alors je mets d'abord, on est d'accord, et après je... Okay. Voilà, vous mettez, vous l'ouvrez, et après vous bougez plus. Un oiseau cru, c'est ça? C'est ça. Voilà, je bouge plus. Normal Red, Red Dead. Joueur de Red Dead. Alors, j'allais m'installer sur cette chaise, jusqu'à ce que je remarque qu'en fait, elle est pas rouge au départ. Ah. Il s'est passé des trucs à mon avis. Ah. Vous allez vous... Alors ça prend une petite trentaine de secondes et vous allez peut-être vous sentir glisser. Et là, ça m'étonnerait que les gens ne soient pas venus faire celui-là. Vous sentir comme happé dans une direction. Et là on regarde ça et puis il y a un loup qui nous bec le cul. Ah oui c'est possible en plus à l'heure. 13h-18h c'est très possible. Et moi j'ose à peine bouger, j'ose même pas regarder plus haut. Je vous protège. Bon. Bah écoutez, ça a pas l'air de marcher cette technique hein. Un peu foireux hein. Il se passe rien? J'ai pas l'impression hein. Partez Denis, c'est pas grave. D'accord. Ils vous ont dit les wapiti si ça marchait sur les femmes? Ils ont peut-être réparé. Ah oui, ça se trouve ça marche pas ouais, sur les femmes. Peut-être que ça marche pas sur les femmes. Ah oui. Qu'est-ce que c'est au fait ça? Où qu'elle est? Qu'est-ce que c'est comme bébête? Un petit loup. Un petit loup. T'en fais pas. Faut pas s'en faire les petits loups. C'est la vie qui veut ça. Ah, est-ce que les pièges sont sexistes dans ce pays? Ah, c'est bien possible. Déjà les pianos et les trompettes, alors... Je crois qu'on s'est fait nachober notre loup. Je crois. Vous avez bien ouvert hein, le... Oui. Le bordel. Bon, vu qu'il n'y a personne, je peux revérifier de toute façon. Il a l'air ouvert en tout cas, oui. Ça vous dit bien... Ça me dit Fearwood Rise. Oui. Je... Quand je pose... Allez, pardon. Ouais, par là. Oui, quand je pose le piège, je sens que je suis à Fearwood Rise. Oh. Et j'ai mis oiseau cru. Ok. Il est 15h. Il y a... J'ai entendu un serpent. Essaye de vous contenir. J'entends des serpents partout, toi. Je vais attendre. Il est pied ouvert, hein. C'est du 13h-18h. Il est 3h. Ça me paraît bizarre que... Mais je pense que comme vous n'avez pas bougé, la légende serait vraie, hein. Ah, peut-être. C'est-à-dire qu'il a déjà été fait. C'est fou, il y a quelqu'un qui est venu ici. Se paumer. Ah bon. Bah, peut-être le monsieur qu'on a vu tout à l'heure.
Peut-être bien. Mmh. Ouais, ouais. Bah, je pense qu'il faisait un peu le tour aussi, donc. Ouais. Mais. Je t'ai vu de loin, Prosper, dans ma vision un peu périphérique. Et comment ça me dire, il est bizarre cet animal. Effectivement. Ah là 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 là. C'est son. Je viens de me rappeler d'un truc parce que j'ai une mémoire sans faille. Oui. Vous vous rappelez tout à l'heure le shérif natif. Oui. Ah, son petit loup, c'était ce gros truc. Qu'est-ce qu'il avait sur son cheval? Ça vous appelait un petit loup? Ah bah oui. Bon bah voilà. Oh bah ça c'est fait. Je pense qu'on a notre réponse. Voilà, plus comme un flashback. Bon. Échappe prendre. Et ben ça remballe. Les shérifs, quand on les a besoin, ils sont jamais là, et quand on chasse, et bah, ils sont toujours là. Et puis ils nous tapent le truc sous le nez, quoi. Mais oui, ah, super. Qui c'est toujours. Oui, il faut pas tuer les animaux, voilà, parce qu'ils sont sacrés, tout ça. Ouais, mais ils ont besoin de s'entraîner. Et boum. Et boum. Faut pas monter sur les toits pour tuer les serpents. Ah ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on a? Quelle heure qu'il est? Il est 4h. On bouge. On va faire du 19h. Oh, j'ai un petit rouge, genre demain. Vous avez encore du foin? Oui. Moi j'en ai. Eh ben, on peut retenter le cerf légendaire noir qu'on n'a pas eu tout à l'heure. Ah. À Bénédicte Pass. C'était doux ça. Ah oui, on était limite, César, au niveau temps. Parce c'est pour ça qu'on l'avait pas eu. Je vais refaire dans le. Bah. Ouais, ou oui, je sais plus. Je me rappelle plus. C'était, vous savez, juste au nord de oui. Valentine. Là, il y a le télégraphe. C'est très à côté d'ici. Ah oui, Bacchus Session. Ouais. C'est parti. Je vais là. Oui. Mais c'est quoi qu'il n'y avait pas? On est arrivé trop tard? Bah, je sais pas, ici. On a pas vu, ou je sais plus. Il n'y a pas été fait en fait. De toute façon, quoi, le cerf. Quand j'ai pas vu ou que quelqu'un l'ait fait, on pourra le refaire là donc. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, puis on va avoir la tempête aussi, ça va un petit peu. Ah oui, c'est par là. Ah oui, c'est vrai, il y a la tempête. Il y a les dindons ici. Il y a la tempête comme ton cheval. Qu'est-ce que je fais? Oh. Ah si. Et ton cheval s'est trop habitué à ma conduite, il fait n'importe quoi. Ah, monsieur Dieu qui prend des raccourcis. Oula! Bison futé! Et je te dis où c'est? Où ça va aller? Ça va agir, je pense. Oh là là! C'est rigolo! Ah, je m'amuse bien! Je pense que ça m'indique pas du tout par là, mais. Je vais suivre monsieur Dieu, quoi. Monsieur Dieu qui connaît tous les petits raccourcis et tout. C'est ça? Tu connais trop bien la région. Le coup de la corde à linge. Pas par là. Ah. C'est vrai qu'il connaît tous les petits chemins qu'il faut pas aller. Oui. Oula. Quand tu connais tous les chemins qu'il faut pas aller, au bout d'un moment, bah tu as forcément le bon. Ah bah, au moins tu reconnais, tu dis ah, c'est pas là. Tempête fait n'importe quoi. Ah, je sais pas ce qu'il y a là, mais elle aime pas cette forêt. Ah, j'adore. Mais oui, puis il y a plein de trucs, regarde, il y a plein de choses sur le côté, il y a plein de choses renversées. Ça fait peur. Dérapage, contrôlez. C'est à peu près bon là. Foin, cerf légendaire, Bénédicte Pass. Allez.
16h. Waouh. J'ai eu peur que ça vous pousse dans le vide. Passage de 10. J'ai pas bougé. Qu'ainsi finisse, Denis Duhan. Ça va, Denis. Faut que je cherche dans mes poches. Pensez-vous. Regardez là. C'est bien Bacu Station. Hein, Bacu Station. Ok. Et du foin. Bon, je l'active et heures. Je bouge pas. Ah bah non, c'est dans une heure. Oui, on va voir. Testez voir. Ouais, j'ai bougé un peu ma vue. J'ai bougé un peu ma vue, alors je sais pas. On va pas oublier de récupérer le piège d'ici une quinzaine de minutes. Oui. Les gens, des bisous. Il se passe rien. Putain, moi ça marche. Ça a de l'affaire, hein, mais c'est terrible. Glissade. Bon ben... ouais, mais ça va peut-être dire que dans, donc, je sais pas. C'est dans une heure, ça va aller. Niveau, c'est... Bah, c'est... oui, dans quelques minutes, dans quelques secondes, du coup. Je pense que je suis juste trop stable pour que ça marche. Mais c'était ça. Moi, on me fait pas trembler comme ça. Vous n'allez pas vous faire trembler par un petit piège. Exactement. Il s'est pris pour qui, le petit piège? Oula. Des techniques de chasse personnelle. Ah oui, c'est spécial. Rabattage, mais pile à l'endroit où on chasse. Oui, je sais pas si vous aviez entendu, mais il faudra récupérer votre piège rapidement. Oui, oui, j'ai entendu, oui. Je surveille d'or. Mais lui, quand même, ici, là. Bah, ouais, c'est Bacchus Bridge, forcément. Oui, et puis j'étais ouais, dans la ligne, j'étais dans la vue aussi, du coup, ça rajoute un petit peu. Exact, exact. Il y a toujours un ours, hein, vers là-bas. Chaque fois, je l'entends. Derrière la montagne, là. Sur la montagne. Ah, Vanis ! J'ai pas entendu, moi. Ou dans la montagne. Autour de la montagne. Ou alors l'ours, c'est la montagne. Peut-être c'est un truc à devenir indien, ça. 7h25. C'est bizarre, non ? Pardon, je fais du bruit, excusez-moi. On s'était pas fait naïater celui-là quand même aussi. Ouais, j'espère pas quand même. Quand le piège est si près du bord, il viendrait pas d'en bas. Ah, il serait coincé. Ah, vous pensez? Bah, je sais pas. Tu peux essayer de le déplacer, hein, c'est que du foin, donc. Attendez. Jette un œil. Oh. Non, mais vous allez pas regarder en bas, hein. Gaffe, non, hein. Non. Juste là. Non. Ah oui, non, d'accord. Tant qu'on est dans la bonne tronche horaire, je peux le déplacer s'il vaut. Tout est sur des bisous, tout partout. Pourquoi j'ai les bisounours en tête? Un
prospère dans le piège. Non, le piège, t'inquiète pas, il est que pour les bébêtes. La prochaine fois qu'on le fait, on le met de ce côté-ci des rails pour voir. Mais c'est jusqu'à 23h, vous pouvez. Je peux essayer, hein, oui. Si vous avez encore de la viande après. Bon, c'est juste du foin. C'est juste du foin, donc je peux le faire. Ah oui. Ah, si vous avez du foin, mettez-le plus dans la forêt là. Devant nous, sur les cailloux, au pire. Il est là. Normalement, c'est marqué. Enfin, si vous vous sentez que c'est Benedict Pass, Benedict Point. Non, pas Bacchus. Bacchus, machin. Oui, voilà, c'est aucun rapport avec ce que j'ai dit à la base, hein, quand même. Bon. Vous l'avez ? Sur le train. Je pose. Il est où ? Parce qu'à chaque fois, c'est toujours. Sur les rails. Ah, sur les rails ? Ah non, mais je veux dire. Ah, je suis vraiment exactement là. Ah non, il y a écrit Cumberland. Non, enfin, c'est Cumberland. Non, venez dans la forêt là. Ici. Ouais. Fumez là. Essayez ouais. Ici, va pour voir. Allez. Ouais. Allez. Ouais, là, c'est bon. Bon, je fais pas le test, hein. Ouais. J'entends des branches qui craquent. Par là, si je vois quelque chose. Oh, c'est mort, hein. On se aussi, hein. Bah, du coup, pour l'instant, le test a toujours été concluant, hein. C'est que quand vous bougez pas, y'a rien. Ah là là. Où est-ce que j'ai mis, je crois qu'on va aller faire des trucs dans l'est du pays. Hein. Voilà, il va y avoir la tempête. Ouais. Ah oui, donc on verra... On verra l'heure. Ouais. Je pense que on va au moins avoir une tempête jusqu'à 8h du matin, à mon avis. Il me semble que c'est toujours ça. Prosper Forest, que voient tes yeux d'aigle ? Le ciel est rouge et il y a beaucoup de sang qui a du coulé. Tu vois le ciel qui rougeoie ? Parce qu'il va y avoir la tempête. Oui, c'est ça. Alors, je voudrais pas passer pour quelqu'un de un peu monomaniaque, mais quand même, j'entends un serpent. Bah, allez le claquer. Salut le booter de spectre. Ah, on a retiré le téléphone. Oui. Donc en fait, on a... Voilà, on peut faire un tour. Oh, j'en sais. Qu'est-ce que vous faites beau ici ? Ah, mais vous... Alors...
Tenez les télégrammes ici, mais c'est fou. Bah j'ai pas de réponse, dis-donc. Je pense qu'on se les fait naïater. En même temps, on est resté un peu dans le coin, enfin. Il fait tous les spots. Il a dû faire le même tour que nous. En fait. Je pense aussi, ça serait logique. Oui, voilà. J'allais regarder un petit peu Backlisbridge. Moi je suis assise. On sait pas où d'être assise en fait. On va aller aussi un petit peu admirer la view. Je vais faire pleurer Pauline. D'accord. En profiter hein, puis on va arrêter la VOD là. Des bisous VOD, peut-être que je leur ferai pas une après si on fait que ça. Bonne nuit, ciao ciao.